Et il y a moyen très simple de pouvoir aider la chaîne facilement et gratuitement. C'est tout simplement de regarder une pub dans ma page YouTube qui est dans la description. Énorme merci d'avance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Le nouveau pass de combat de la saison 3 vient de sortir et on va aller le découvrir ensemble. Et nous voilà sur ce fameux pass de combat. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'il nous propose? Pour les deux niveaux, on peut avoir donc ce petit fantôme qui nous donne, dès l'achat du pass de combat, 170 CP, le DLQ-33 en pulsar qui est quand même bien joli, le couteau en pulsar, donc ok, j'ai compris, dans ce pass de combat, ça sera les pulsars qui sont quand même magnifiques, et la belle petite mine. Quant au pass de combat gratuit, dans les petites caisses, on aura le prophète Arkhenge qui est disponible dedans. Donc ça sert à rien de l'acheter pour 40 CP, j'essaierai de le drop exactement comme pour le flic. On aura également les skins météorites, c'est le cas pour la grenade à fragmentation, le sac à dos pulsar qui est juste magnifique, ah, il me tarde de l'avoir. Avec le sac à dos météorite, que ce soit le pass de combat gratuit ou payant, franchement les skins valent vraiment le coup. Quant au 15 pass de combat de la saison 3, dedans on peut avoir donc le skin géométrie pour la HG40. Ça me redonnerait la hype de rejouer la HG40, franchement ce skin il est trop beau. Les Mardi Gras pour la PDW57, ouais qui est un petit peu bizarre mais pourquoi pas. Il y a également les skins du Battle Royale pour les véhicules, la M16 en météorite qui est magnifique, qui rappelle un petit peu l'électrique. La AK-117 en météorite également très belle. Et la belle petite roquette également en météorite avec la SMR et la FSG-18. On a également les skins améthyste irradié et c'est le cas pour la grenade à fragmentation qui commence avec ça. Donc forcément des CP qui nous donnent et des crédits tout le long. La LK-24 en améthyste irradié. Le petit skin FTL qui est quand même bien joli. Ouais pourquoi pas, c'est le skin du futur celui-là. Le skin Phobos de la J358, c'était exactement ce que l'on avait vu dans le trailer. La Chicom en améthyste irradié qui est quand même encore bien joli une fois de plus. Ce skin ressemble pas mal au combat rapproché, donc pour ceux qui n'ont pas eu avec la Chicom, ça compensera un petit peu. Le petit logo en fantôme, ouais, pourquoi pas. Et la belle petite danse en gorille qui est juste magnifique. Le sac à dos améthyste irradié qui ressemble pas mal à d'autres skins que l'on a vu auparavant. Et le skin améthyste irradié en RPD, ah franchement c'est pas mal pour un fusil mitrailleur. Ouais, elle est bien détaillée, bien violette. Ah, franchement, j'en connais beaucoup qui vont reprendre la RPD. Et surtout, cette magnifique T25 en géométrie. Déjà, la T25, elle est prise. Alors, ils l'ont bien compris. Ils l'ont mis dans le pass de combat. Comme ça, ça force à l'achat. Et tant mieux. Et par contre, on peut voir que le pass de combat se finit au niveau 50. Ça va être plutôt cool. Étant donné que derrière, on aura beaucoup de caisses. Donc, pas mal de pack opening à vous proposer. Avant d'aller passer à l'achat, je vais vous expliquer les différences entre le pass premium et le pass premium plus. Il y a eu également beaucoup de changements concernant le 2. De base, dans la précédente saison, c'était juste avoir des niveaux en plus. Sauf que là, on a quand même des cadeaux en plus. C'est le cas du petit encadré qu'on peut voir. Le fantôme que l'on a, quoi qu'il arrive. On a également quelques CP en plus, pas moins de 60. Et surtout, les 12 niveaux en plus, c'est pas négligeable pour atteindre le niveau 50 plus rapidement. En fait, il faut le voir d'un œil un petit peu investissement. Plus vous aurez au niveau 50 rapidement, plus vous aurez deux caisses. Et la différence entre les deux, c'est 720 CP. Et 720 CP, ça fait aux alentours de 8 euros. 12 niveaux en plus est égal à 12 caisses en plus. Et 12 caisses, ça fait pas moins de 2000 CP. Donc du coup, vous êtes quand même largement rentable pour essayer d'avoir encore des caisses supplémentaires pour essayer d'aller drop la HG40 en géométrie. Pour faire simple, si vous avez assez d'argent pour acheter le pass premium plus, très conseillé. Sinon, le pass premium, c'est juste pour avoir moins de caisses au final et un petit peu moins de skins. Mais qui est très bien également. Dans tous les cas, n'oubliez pas que tout ce week-end, je ferai gagner des passes de combat. Un vendredi, un samedi, un dimanche. Et tout ça, ça sera en live aux alentours de 20h30, 21h. Et on est parti pour aller acheter ce beau petit pass de combat premium. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce pass de combat. Ok, donc on a décidé de partir en classé, de prendre la BK57 en Mardi Gras. Ça nous a fait atterrir sur du domination. Donc, notamment, on va essayer d'aller défendre le bruit rapidement. Surtout qu'on est dans la mauvaise zone. Ah ouais, là ça va être très compliqué. Évidemment, je suis parti en classé. Faut pas oublier que ça a été réinitialisé. Donc on va quand même se débrouiller pour gagner la première game de la saison 3 qu'on va commencer. On va avoir de bons petits coéquipiers qui vont dessus. Non, ça va pas être ça. C'est tempo sur la gauche. Non, j'ai rêvé. Donc du coup, il y en a bien un ici. Je l'ai vu. What? Pourquoi s'est passé là-bas la roquette? D'accord, lui je l'ai tué, c'était pas du tout lui que je visais à la base. Il y a un autre là, mais non! Ah là là, il va falloir vraiment que je gère la ligne directement. Là ça va, il joue bien en team en face. Donc on y croit, on y retourne. Amoindrir les dégâts lors de cette manche pour mieux repartir à la prochaine manche. Allez, allez, faut vite que je tue. Non, amocher. Allez, là-bas au fond. Ah, il a pas pris.
Ça va toucher. Et c'est quoi qui vient de me tuer? C'est une SM10 en électrique. Ok, ça va être compliqué. Oh non, j'ai un coéquipier qui reste dans le bâtiment qui y va pas. Mais non. Ouais, voilà. Il est où lui? Il a utilisé toutes ses balles. Il est où? Ok, le mec s'est volatilisé, tranquille. Il y a un mec qui prend chez nous. Ouais, d'accord, ok. Il était derrière. J'ai pas compris cette fight de gros manchot que l'on a fait. C'est bien ça. Ça a pris le H chez nous. Ça va les forcer à reculer. Donc, allez, on y retourne. C'est le moment. Non, mais non, mais pas chez nous. Merci. Ok, c'est bon. J'ai eu le kill. Merci à la grenade. Il y en a un autre là. Ah, j'ai plus de balles. C'est bon. Ça m'a donné l'assist. Ok. Je vais mettre mon trophée système ici, tant pis, je vais essayer de faire quelques kills, d'avoir mon petit drone pour la prochaine manche. Oh, laisse-moi tranquille, là, il vient de me toucher, le mec, je sais pas d'où. Ok, donc il y en a qui traverse le centre. Ah, je peux pas le toucher avec un BK-57 d'ici. Ok, c'est bon, j'ai quand même réussi à prendre le kill. Allez, on y retourne. Ah, la traite vite. Voilà, ça me donnait des petits points en plus. Faut pas que je crève maintenant. Je suis à 60 points, une petite assist irait grandement. Donc je reste par là, on attend un petit peu. Ok, bon, c'est pas fini. 44 à 75, on sait que c'est la deuxième manche qui va être vraiment définitive. Surtout que je vais avoir mon petit drone dans pas longtemps du tout. Donc je vais prendre quand même les 50 points du A. Et ensuite, je vais essayer de faire minimum une assistance pour avoir le drone. Surtout avoir le coup stratégique qui peut me donner, mine de rien, un Goliath dedans. Donc c'est parfait, tous mes coéquipés sont partis sur le B. Ça fait plaisir d'avoir des bons petits coéquipés comme ça pour une fois que ça a bien joué. Ah, il y a un carré. Et tu veux sur la gauche. Si ça prend le B, je tiens le perlier. Sinon je reste par là. Ah, je vais même prendre les perliers maintenant. On va pas risquer le petit drone. Oh là. Non. Sérieusement, mais non. Comment c'est possible? Je me tue tout seul, genre. Alors que le mec est juste devant. Et voilà, on va faire le B. Ah, il est par là, c'est bon. Normalement, il a pas pris. Et voilà, il y en a qui va nous embêter chez nous. Ah, ils savent bien jouer en face. Franchement, ils mettent bien la pression. Ils savent qu'on a la priorité du B. Ah, il faut vraiment les repousser. Ah, d'accord, j'ai mis un shield. Je comprends mieux qu'ils ont pu les prendre. La BK-57 qui est quand même une bonne arme. J'arrive bien à tuer de loin avec très très peu de recul. Ah, c'est le drone là qui va nous coûter la victoire. Il est affranchi, j'arrive pas à le viser. Ok, c'est bon, les dernières balles qui ont suffi. Mais non, mais arrête de camper chez nous sur le bâtiment bleu, sérieux. En vrai, j'ai le seum, il joue vraiment bien là. 60 à 100. Ah, c'est compliqué, avec 40 points d'écart. Bon, je vais amoindrir les choses. Ok, ça arrive par la gauche. Continue, ouais, continue. Ok, donc lui, il a pris le pass de combat, c'était un petit fantôme. Ouais, ça, il va pas chez nous. Tant pis, je vais jouer les kills. Malgré qu'il défend au final. Allez, j'essaie d'y aller. Ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des snipers à droite et à gauche? Non, c'est mort. Il y en a un autre à gauche. Ah ouais, non. Là, les mecs, ils sont pas tout. Donc, du coup, je vais vraiment essayer de prendre quelques points. Je vais amoindrir la perte de points. En plus, ouais, il est le... En plus, il est chiffre et tout. Donc, ouais, c'est mort. J'essaie d'aller chez eux, de mettre dans le positif. J'y suis déjà. Oui, j'ai fait un 18. Allez. Ah, mais non! Sérieux, il a même là! C'est abusé quand même! Ah non, il a dû me voir de loin traverser certainement. Ça sert à rien de prendre le dé maintenant. Ah, ils ont bien géré. GG à eux. Bon, c'est la première défaite de la saison 3, c'est dommage. Y'a personne par là. Non. Ah, on anticipe. On est toujours là d'ici au cas où. Ça, c'est une roquette. Oh, si je touche, ouais, je touche, ouais, avec la BK-57. Par contre, pour le finir, c'est pas encore ça. Surtout que c'est un sniper en plus, donc j'ai pas intérêt à ce statique. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. De loin, très efficace. La BK-57 qui est très, très sous-estimée. Ok, il y a 4 personnes par là. On va essayer de faire un dernier kill. Non, j'ai pas eu le temps. Eh ben, c'est le 86 à 150 pour la première game en ranked. Mais c'est pas grave, je me démoralise pas. Cette saison, c'est sûr que je vais arriver en légendaire. Tout simplement que j'ai moins à rocher, j'ai plus de teammates. Et surtout, j'ai plus la foi.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !